nicht lange reden, wir tun was uns gefällt, einmal fünf Mark für jeden, das ist doch nicht die Welt. Gute Freunde, wie wir uns nennen, ja die sind sich so eins wie nie, wenn sie spielen und helfen. Je me vante, me flatte et me félicite d'avoir beaucoup écrit dans les cahiers du football. Ce magazine de foot et d'eau fraîche, qui décernait des ballons de plomb, proposait une chronique bolchévique et tout un tas de dossiers et rubriques plus merveilleux les uns que les autres. Y écrire était pour moi une joie, le lire à sa sortie un privilège. Le plus souvent, j'y ai chroniqué en mode c'était mieux avant, des matchs du passé d'importance inégale que je voyais sur ESPN Classic Sports dont je bénéficiais grâce à une carte pirate nous, enculée. Une fois, je me suis essayé à une des plus fameuses rubriques des cahiers, l'autoportrait craché. Traduction, écrire à la première personne l'autoportrait satirique d'un grand nom du football. J'avais choisi le Kaiser Franz Beckenbauer. C'est paru dans les cahiers du football numéro 35 en mai 2007. S'il me fallait, pardon, s'il vous fallait, une preuve du caractère nécessairement exceptionnel de ce que je crois pouvoir appeler ma destinée, je suis né le 11 septembre 1945, dans les ruines de Munich. J'ai été aimé de Munich, dès mes premiers pas, à 13 ans, en espoir. La Bavière m'aima et gauche, ou pourtant je ne brillais guère, je veux dire, par rapport à la suite de ma carrière. 424 matchs en Bundesliga. Plus quelques centaines au Cosmos New York 1977 ou à Hambourg un titre de champion en 1982 j'aime la précision celle des chiffres il ne mente pas ne truque pas comme un vulgaire attaquant italien ou un défenseur argentin il en va de même de l'existence j'ai toujours su exactement ce que j'allais devenir et ce que je gagnerais je ne parle pas ici d'argent c'est un reproche qu'on me fait souvent mais si j'étais le prétentieux que l'on dit, je le tairais, par peur des conséquences de mes échecs, car, comme tous les hommes, j'ai subi des revers, moi aussi. La prétention n'est chez moi qu'une variable, un instrument de travail, un peu comme chez ce boxeur noir américain des années 70, dont le nom m'échappe, qui s'était converti à l'islam et qui était gracieux, certes, mais si grossier. Je n'ai rien d'exceptionnel, mon destin seul l'est. Je pourrais, pour me justifier, rappeler ceci. Libéraux, car à l'époque, les numéros et les postes avaient un sens, non seulement je marquais déjà des buts décisifs, mais de surcroît, mon rôle défensif ne fut pas un handicap pour l'obtention du ballon d'or. À quoi bon Je n'ai pas réalisé tout ça en club et en sélection, comme joueur, capitaine la plupart du temps, ou comme sélectionneur, pour m'en targuer. Il me semble juste qu'il y a en des proportions que je me garderais bien d'évaluer quelque chose d'exemplaire dans mon parcours. Günther Netzer le dirait autrement. Je pourrais profiter de cette tribune dans la presse française pour enfin évoquer les conditions de travail qui me furent offertes en 1990 lorsque j'eus, pour le coup, la prétention de sortir ce club méditerranéen de son anonymat européen. Je ne pouvais pas réussir là-bas. Personne n'y serait parvenu. J'ai pêché par orgueil. Comme pour faire plaisir à mes détracteurs. Même la défaite en finale de la Coupe du Monde de 1986 me fut pardonnée. Je n'étais que sélectionneur, mais ce fut un indéniable échec personnel. Moi qui, sur le terrain, avais résolu, via Bertie Vogts, le problème Johann Cruyff en 1974, je n'ai pas su, depuis le banc, empêcher Diego Maradona de nuire. Les Allemands savaient que je ne réitérerais pas mon erreur d'analyse. En 1990, la National Mannschaft fit pleurer l'Argentine. Je devenais, avec le Brésilien Zagallo, le seul à avoir gagné le Mondial en qualité de joueur puis de sélectionneur. La récente élection de Michel Platini à la tête de l'UEFA, on l'a assez dit, ne m'a pas comblé. Elle a en outre le désavantage de réactiver ces vieilles comparaisons entre très grands joueurs dont les médias raffolent. Ai-je été meilleur que Pelé Difficile à dire. Idem pour Maradona, trop dissemblable. Reste Cruyff donc et Michel Platini. Je dirais bien des deux, ce que je disais de l'un seulement. Ils étaient de meilleurs joueurs que moi, mais moi, j'ai gagné la Coupe du Monde. Grégory Proch, lundi 8 janvier 2024.